T'as déjà vu du Ridley contre Fatality? Comment ça se passe à chaque fois? Il se fait tuer à zéro hein, le Ridley, y'a pas de... Il n'y a pas de blague, meurt. Et pourtant, le match est pas even, c'est dire. Non, c'est pas even. Le connerie, c'est vraiment moins de jeu, genre. Non, c'est moins de jeu. Mais tu fais tout ça, t'explose. J'aimerais que ce soit mon pire match. Vous rêvez. Il y a Bowser Junior de la part de qu'est-ce que c'est ces conneries? Ah oui, non, mais. En fait, celui-là, il y a eu héros. Mais Yoshi, c'est pas mal. Ouais, il y a chier, moi, Yoshi, c'est une catastrophe. Mais vraiment, genre, pourquoi t'as pas juste pris. Je sais pas, mais c'est pas. En fait, les gens qui counterpick alors que le match était ultra even. Adapte-toi, je sais pas. Non, frère. D'accord. En gros, si t'avais pris. Encore tué. Ok. Bah, de toute façon, c'est mieux grillé. Falcon Flame. Ouais, bah. Ok. Et pour l'instant, grosse phase, Martin, qui a mis un bon 100%. Ouais, je suis fatigué, j'ai faim. Mais j'ai gros la dalle aussi. Faut prendre un goûter, ah oui, il a battu. Voilà, j'ai pas d'argument, oui, effectivement, on peut faire ça. Pour le stage qui était à une seconde de retard, bon, ça passe quand même. Aïe! Dehors! Double taunt! Don't eat OSD, je pense. Don't eat OSD, voilà. Mais ce que je me disais, ça sent un tonnoir, ça part en prod. Le boulet dans l'autre sens. Oh le boulet. Putain, Bowser Junior Gaming. Pour l'instant, putain, dangereux ça. Il s'y avait Perlandi, ça tuait pas. C'est Bowser Junior, c'est vraiment un perso qu'on voit jamais. On est bien à vrai. On est content de pas le voir parce que qu'est-ce que c'est chiant, Bowser Junior. Déjà en fait de base j'aime pas Bowser Junior même avant Smash. Ouais non vraiment le perso est... J'entends Pity Fire de Ness alors qu'il est pas sur le terrain. T'as un PTSD. Comme si pas le Ridley. Effectivement, faut pas réfléchir non plus. Ah mais il disait que pas le Ridley c'est l'angoisse alors que Falcon Ridley c'est probablement moins l'angoisse. Tu prends un Smash bizarre. Falcon tu peux juste bourrer, t'es jamais en désavantage. Même quand t'es en désavantage, t'es pas en désavantage. Ah oui, le crash de meuf qui passe en dessous du Mikakuma. Putain, de Tokyo Drift! Tokyo Drift, toi! La retourne, toi, quoi. C'est vraiment pas l'angoisse. C'est vraiment pas l'angoisse. Bah écoute, c'est pas moi l'expert. Bon, neutral, je trouve ça chiant. Mais voilà. Ok, le Tokyo Drift, c'est toi qui va passer. Oh mon dieu. J'allais dire, on vannait le buzzer géant de poussière avant qu'il se dise, mais en fait, non. Ah, ok. Oh, le reset. Martin qui commence à jouer safe. Donc qui se fait des sacs. Qu'est-ce que c'est que ce up smash à 25? À 25, on prend le terrain. Ça va tuer avec le sous spot. C'est ça. Mais par contre, ça trade. Là, c'est le frère. C'est frère trade. 50%, ouais, c'est. Tu fais downer rest. C'est ça. Mais tu peux aussi te prendre un smash banal de. Exactement. En général, t'exploses. Parce que c'est puff et que puff est un ballon de baudruche, littéralement. Par contre, top côté crème. Oh la non tech! Oh smash, arrête de faire ça! Il y a aucun swag! Il y a pas de swag dans ton bluff! Pourquoi t'as fait un smash? 69% de life! Il a descendu, il se monte en reste! Tout soit les smash! Mais parce qu'il s'en fout, ça tue! Aucun swag! Imagine, il rate son reste et il perd la game! Oui, ça aurait été incroyable! Bah oui, ça aurait été incroyable! C'est marrant, j'ai l'impression que t'es biaisé quand tu dis ça, Quentin! Ouais, tout ceci me domine! Non, je veux pas te safe. Attends, c'est quoi? Il y a un revenu maintenant, pareil. Ouais, alors il est pas encore là, tu vois. Le Horizon Crash, ça commence à se dire. Ouais, je vais essayer de stream ça. Sauf si je me fais DMCA parce que j'ai pas le droit à des jeux de podcast, mais je pense que je vais restream le truc et pas dormir encore. C'est marrant. T'aimes bien ne pas dormir? Bon, là, j'avoue que le rythme de sommeil est un peu dégueulasse. Juste un peu. À 2h du mat, je vais dans mon lit pour dormir. Et à 6h du mat, j'arrête de jouer à Blue Star Wars Defense 6. C'est une catastrophe. Déjà que moi, j'ai un rythme correct et que j'ai quand même éclaté au réveil. Ouais, mais tu te sens le roi du monde quand tu te lèves à 8h30. C'est incroyable. Alors, quand tu te lèves à 8h30, 9h tout seul sans réveil. Didi, mais la Wii matin ensemble. Et encore, je crois que ce matin pour moi c'était 9h30. Déjà, c'était 9h30 pour ces derniers temps.
un dimanche, c'est folie. Ah si, en vrai, tu profites de ta journée et tout. Mais il y a des plus tellement flemme que je me rends dans mon métier, je suis là à 10h et à 10h j'en bique 13h. Ça m'est arrivé cette semaine, j'étais en mode, je me réveille à 7h30. Je me réveille à 7h30, je vais m'endormir 10 minutes, 13h10. Bon, bah cool. Hein. Ça, c'était des belles minutes. Hein. Voilà, voilà. Alors, on est reparti sur... Marie. Surtout sur Marie. Marie de la mairie. Marie de la mairie. Tout à fait. Ah, j'aime beaucoup. Marie de la mairie. Marie de la mairie. Mais c'est elle. C'est vraiment elle. Juste elle. Marie c'est, de la mairie. C'est dans l'or. Et du coup, attends, il a gagné la game 1 Ah non, c'est Martin qui a gagné. Oui, c'est Martin qui a gagné. Ok, j'étais pas sûr. J'ai dit parce que j'en étais même arrêté de counterpick car vous avez gagné la game d'avant, mais c'est bon. Le scénario est respecté. Et on repart sur quelque chose qui avait l'air un peu compliqué. Ah ouais En vrai, oui, je pense que c'est chiant. Parce que tu as une manière de roule assez unilatérale avec Marie. Et bof, c'est H24 en train de faire. Du coup, tu t'évites un peu les projectiles, je pense. Moi, je disais que ça avait l'air dur pour eux, justement. Ah, moi, je croyais que c'était l'inverse. C'était de... Bah, dur pour eux. C'est sûr, j'avais pu le voir du premier set. Parce qu'effectivement. Ouais. Après, il a gagné, Martin, tu vois. Il a gagné, mais il a du coup de dorsif. Non il est pas mort, Sauf si Martin s'est fait repérer. Ah bah, d'accord, j'ai rien dit. Je suis un gros menteur. Il arrive à la caler cette fois, que dans la partie précédente, il y avait vachement plus de mal à caler son loader. Là, il arrive plutôt bien. Ouais. On respecte le gyroïde, le loader. Donc après, Litz. Ah, peut-être vers le haut, sauf que. Ouais, il y a moyen, ouais. Parce que c'est toujours dans une bonne ruche. Gros smash. Petit taunt encore une fois. Le syndicat est trouvé. Petit taunt des smash, le quotidien d'un artiste, des choses simples. Celui tout frais. Non frère il a c'est la merde là. Oh au revoir. Il a donné ses fesses là. Qui lui donne une avance considérable. Oh, là, il a donné ses fesses en nous à la Gia. En zoozoning. Gérandi, il a bourré un gros fer rising in. Comme un barba, et ça marche pour l'instant. On gratte un petit peu, on dure pas dans les pourcentages où c'est danger pour Puff, mais ouais, bon, d'accord. S'il veut pas approcher autant qu'on fait d'autres, je suis super. M'a connu, cette bande de campeurs. Je te regarde pas. Je comprends, hein. Après c'est pas forcément contre lui que je vais être très amoureux. Si je me fais encore une fois backer en Wish, je vais me suicider. I will literally kill myself. Comme il dit, self and live. T'as pas vu comment ça s'appelle, ce t-shirt d'un mec qui était un major If I miss this edge I will kill myself. Le mec avait ça en stream. C'est trop drôle. Ça fait l'air bail, j'ai vraiment rien su de ça. Oh t'inquiète, c'est pas mort. Faut pas regarder. C'est mort, il n'y a plus de saucifice. Même chez moi, je jouais plus à SF6. Ah. Tu joues quoi toi? Camille. Bien mon roi, oh, ok. Ça c'est un vrai perso de bonhomme qui fait. Vrai perso de vrai blanc qui fait les vraies choses. J'ai hésité pas mal entre les et Chun-Li. Mais... Putain mais t'es un travailleur toi. Ces deux persos ils sont difficiles hein. Mais j'aime bien. Mais c'est stylé je trouve. Camille c'est pas en plus c'est pas craqué, c'est juste high tier. Mais c'est quand même fort. Mais c'est dur sa mère. Ça fait pas de dégâts en vrai chic. Peut-être pour ça que j'aime bien, parce que j'aime bien Shake. Mais oui, Henri Chun-Li, c'est chiant. C'est un peu chiant. Je dis ça, moi je suis un joueur de Chun-Li. Tu veux l'avoir le roster. Appuyer sur un. Il y a eu toute une phase où je ne savais pas du tout quel perso prendre, et Jury faisait partie des contenders. C'est très cool à jouer. Ouais. 50-50 sympa. Bon, c'est safe, donc tu peux mourir, tu peux matraquer ta manette, c'est cool. Dave, je crois, du coup j'ai vu Kirby. Il a tout testé. D'ailleurs, il y a 2-0. Ouais c'est ça, il y a 2-0. C'est où le score déjà? C'est ST, ouais c'est ça. C'est ça. Martingue. 2-0. Update. Voilà. Là, 2-0 pour Martin, ouais. Là ça a bu, j'ai l'impression qu'il peut être poussière. Kirby, wesh. Ouais. Il a pris Kirby c'est très très fort sur DF. Mais bon. Le problème c'est qu'en fait le crouch va pas être super efficace comme peut. Oui voilà, Kirby c'est pas très fort globalement comme perso. Ouais, mais en vrai sur DS c'est Kazuya le truc hein. Je te jure, il s'était pas touché en forêt. D'accord. Trop fort, mais c'est la meilleure de. Je le vois quasiment jamais. En vrai c'est. Kirby c'est pas nul je trouve. C'est vraiment des matchups genre. C'est un des matchups intéressants contre certains top tiers où ça paraît clair. D'accord. Oui ça se fait poubelle par d'autres persos. Voilà. C'est une sorte de pick counter pick quoi. C'est vraiment très counter pick.
Il est mort, il est mort. Ouais, c'est vraiment boule contre boule. Et pour l'instant, il y en a une des deux. Il y a couille droite qui est en train de gagner contre couille gauche. J'allais faire la blague. Elle est trop drôle la blague. Prime humour, vraiment. Non, mais du coup, il y a Martin qui campe sa race. Et il fait bien. Plus de shield du côté de Quentin. On a vraiment beaucoup de mal à toucher. Quentin d'un air. Ouais, il veut son kill. Hein. Il se fait oui, finish pour ça. Ouloulou. Ouloulou, la phase à 40. Compliqué. Ah non. Pitié. On n'en peut plus. T'avais les égards. Ouais, les égards pour le bon foiré. Qu'est-ce qui se passe? Bah, il tente des trucs, mais il arrive pas à tuer. Hein. Ça se voit bien. Ah, oh, FTIP t'a tué. Non, mais arrête. Elle est roll-out, non mais. T'arrêtes, box. Ouais, hop. Condition machine. Voilà. Coaching en plein fer. Ah, mais au bout d'un moment, si tu conditionnes le mec 5 fois à chier, faut peut-être faire quelque chose. Ok, le nerf reste. C'est littéralement comme ça que je vais faire avec ma billette. Genre, je m'arrête une billette. Voilà. Bailet Pop, ça a l'air dégueulasse. C'est trop bizarre. Ça a l'air infect. Oh, banal. Smash qui est trouvé. Banal. Bon, bah, gros stop de retard, 4 minutes 30 au compteur. Si Martin décide de ne plus jouer au jeu, bah, il peut pas ne plus jouer au jeu. Tout à fait. Après, ça va être 4 minutes 30 très long, bien. Mais. Ma foi. Mon cœur me dit pitié un comeback, mais bon, ça me paraît un peu compliqué. Oh non. Ah, j'ai cru. S'il avait full in, savoir ce qu'il peut faire, il y a peut-être un reste qui passait après. Ok. Oh, c'est long. Savoir spot. Ça va pas tuer, ça va peut-être plus tuer. Oh, il l'avait. Dommage. Le faire l'endigame smash va tuer, faire l'endigame smash, c'est pas bon parce que c'est un plotty. Ça me voit. Très bon d'un petit. Dommage. C'est pas d'avenir, pardon. En vrai, il est pas si mal que ça, d'un pro, je pense, qu'on va être des pourcentages. Il est pas si mal que ça parce qu'en plus, Scarlet de la rage, ça peut faire un peu peur. En vrai. C'est vrai que c'est un. Là, il trouve un flair, il trouve un FT, il trouve un backer. Pop va exploser. Ça va spot, malheureusement. Et là, est-ce que ça va toucher les gardes? Non. Et. C'était bizarre comme animal. La hitbox active est très longue par contre. Bon, là, c'est le moment. S'il joue le match. Et c'est bon. Oh, alors, qu'est-ce qu'il fait? Un petit combo. 32, honnête, franchement. Sur Puff qui est flottant en sport, pas forcément 100. Par contre, c'est censé faire re-grab dernière, et là tu mets 60. Mais bon, 30, c'est honnête sur Puff. Oui, déjà, ouais. Et là, bah, c'est even en fait. Caillou. Oh putain. Alors. Oh, c'est safe. Ouh là là. F3 d'en bas, trop haut. Je vais dire mettre suplex de Puff. Ok, est-ce qu'on va se faire tout? Est-ce qu'on peut? Oh là, okay, là, je vais peut-être tomber de l'avantage positionnel. Non, le pummel de Martin, on tente des smash. Là, c'est dangereux. Juste un up smash. Ça stresse un peu. Ça stresse de côté. Ça va, j'attaque, La boule. Oh, pitié, je vous la boule magique. Et vous allez voir le résultat. Tu passes, tu passes. Je ne vois plus que t'as explosé. Il est léger aussi. Il a explosé, wesh. Eh bah, devant. Finalement, je regrette beaucoup d'avoir dit que je voulais que le 7 se termine pas. Arrêtez, je veux plus voir ça en fait. Mais je pense que le terrain aide beaucoup aussi. Il n'y a pas une reset de reste sur les plateformes comme tout à l'heure. Il en a mis deux, je crois. Genre, il a réussi à me remercier sur les plateformes. Donc ça aide. Peuvent se mettre bien sur les plateformes. Alors, on va voir ce que ça donne. C'est quoi, c'est la loser qui c'est le 5ème. C'est ça. Et du coup, bah, tu vas être contre le gagnant. Ok, super. Attends, t'es joué pas lu, on verra bien. C'est ça. Mais faites votre. Quand est-ce que vous faites donc putain de set là? Je sais pas, écoute, c'est quand Half-Life 3 sortira. Je pense que. Faites-le juste après. Ça prend moins de temps. Ouais, comme ça, une pause, vous jouez et comme ça vous avez un set de pause aussi. Je pense que vous jouez juste après. Jazzy, vous jouez juste après le script. Ça me paraît bien. Ça fait plus en Falco. Falco, je joue horrible. De quoi? Parce que du coup, je vais faire Falco après. Falco Belmont, c'est horrible. Pour qui? Pour Belmont. Ah ouais, en vrai, je suis pas dégueulasse. En plus, c'est Jazzy.
personne n'en dit plus. Falco, c'est bizarre parce que c'est le moins bon des trois spécies, pourtant c'est le plus casse couille. Bah, c'est que c'est aussi le. C'est le. Comme je disais, moins bon, mais c'est aussi celui qui encule le plus Samus par exemple. Oui, il y en a plein en fait, c'est le meilleur. C'est le, des trois spécies, c'est le pire pour pas mal de personnes. Ouais. Pour je ne sais quelle raison. C'est déjà son réflecteur frame 1. Le laser qui est très chiant, ouais. Réflecteur frame 1. Les combos overall qui mettent la patate. En contrepartie, il adore combattre Fox. Alors que le match-up il reste pas dur, mais. Fox qui Bellement. C'est bien ça non. C'est pas. Non, c'est en faveur de Fox, mais je trouve ça marrant. Je trouve ça drôle. Ouais, ouais. J'ai bien confronté Fox. Sauf quand Fox décide de mâcher Dash Attack petit sur profit. Ferme ta gueule. Ok, ok. 5% et... Ok. Ouh. Dommage, avantage positionnel. Alors j'ai envie qu'on t'a gagne, mais j'ai aussi envie qu'on se dépêche de finir ce putain de set. Donc soit ils le torchent en 1 minute 30 les deux games là. Oula. Ouh. C'est pas fait punir le dash attack. Autant une roi là, mais pourquoi? Je ne comprends pas. Bam. Oh non, le dash up smash là. Ok. Ok la team. Ah, on veut son. Ça tue ça? Non, ok, ouais. Smash, ouais, Smash Bros. C'est ça, un pied bouche dans les règles. Un gros pied bouche, ça va. Bakir qui l'a pas tué. Caillou. Voilà, Caillou. Oh putain, le fer full in aurait pu se faire Bakir with punish. Et ouais, Quentin qui joue très safe. Le fer, bien plus speed, ok. Le trip, ah, on va pas contre le saut. Ouais, le saut. Après, on a encore plein de sauts. Très bonne air dodge. C'est vrai, c'est une bonne mix-up là. Ouais, il a assez peu fait au final. C'est vrai. Ok. Down high, c'est cool. Ça mix-up en deux-up. Pour l'instant, je suis sûr qu'il y a un bon désavantage. On meurt pas là-dessus. C'est un espèce de savoir spot. C'est un petit peu. Oh là là, mais putain, le désa de Lucien. Ouais, il est pas piqué derrière. Oh là là. Putain. Adaptation, mon chef. Oh plutôt. Il est en train de lui mettre la sauce, ça. Tout à fait, oui. Surtout que... Oh, l'éclairage, c'est un peu. Ah, l'enfoiré. Non. Voilà, bien fait, espèce de hagard. Le... Non. Ah ok, ouais. C'est vraiment un match qui part en couille. Hein. Ouais, ouais, c'était... Parce que lol, les couilles, c'est de boule. J'ai repris sur la blague, j'ai envie de mourir. Ok. Ça tue pas. On va tuer vers 120, 130, je pense. Ah, on va plus d'air auto-shield. Et là, du coup, on a plus de shield. Ouais. Donc, smash, non, très bien. Ça tue pas ça. Des bisous, chef. Ouais, grave. Oh. Ouais. Ok, vraiment, on va pas connecter ça à Warspot. De toute façon, on aura pas pu rester. Oh, genre, oh. Il peut backer, Non, il n'y a pas le temps. Aïe, 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 le clutch reste. Qui a peut-être. Si Quentin commence à désespérer, ça peut. Je sais pas si c'est un automatisme après un dive tilt ou si c'est vraiment. Il a su qu'il avait la seule shield, mais. Ah, il y a une petite vapeur qui s'inverse là. C'est du génie ou du cul pour des nouilles. Peut-être qu'un peu de deux, il faut un peu de deux pour ce match. Peut-être, ouais. Donc là, faut. Ouais, voilà, le backer qui vient trouvé. Le drop tilt de Kirby. Dernière stock de poussière. De ce tournoi peut-être, s'il perd, on va voir s'il arrive à regarder son game plan. Mais s'il gagne là, ça va être vraiment un très gros boost mental pour lui. Hein. Ah bah un train mental pour son adversaire. Le momentum sera totalement pour lui. Tout à fait. On joue bien au sol, on évite de se faire starter par Kirby. C'est grave qui va être bien trouvé. Oh le saut. Dommage. Oui. Bien joué à Quentin. Bien joué à Martin, pardon. Bon, bien joué à Quentin aussi. Hein. Oui, à Corentin, pardon. Pour le rest clutch. Ouais. Ouais.